j'ai rejoint le consultant parce que j'avais en moi cette envie d'entreprendre. J'ai toujours eu cette envie de vouloir faire passer un message et j'avais besoin d'avoir un véhicule, d'avoir un moteur pour pouvoir justement faire véhiculer ce message. J'ai rejoint le consultant parce que je ressentais cette garantie avec Alec et le consultant. J'ai rejoint le consultant car je suivais Alex depuis, ça faisait 2 ans que je le suivais grâce à sa chaîne YouTube. J'ai rejoint le consultant parce que je savais que j'avais des compétences qui pouvaient être monétisables et c'était tout simplement le seul programme qui avait vraiment l'air qualitatif. J'ai rejoint la formation du consultant parce qu'auparavant j'avais essayé avec de nombreuses autres formations à réaliser ce business et c'était juste impossible. Et quand j'ai découvert une vidéo d'Alex sur le web, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une clé en or qui se cachait derrière. Alors moi, j'ai rejoint le consultant pour avoir plus de stratégie et plus de contenu au niveau de la vente et pour agrandir mon réseau surtout aussi. Alors j'ai décidé de rejoindre le consultant parce que j'avais des grosses difficultés, enfin des grosses lacunes en vente et pour définir mon offre. Et donc j'avais vu que le contenu du programme me permettrait de m'améliorer à ce niveau-là. Donc j'ai rejoint le consultant parce que je connais Alec depuis un petit moment et je sais que c'est vraiment une personne en or. Et comme il dit, il faut toujours promettre moins et donner plus. Donc je sais qu'avec lui, on ne sera jamais déçu et c'est sincèrement une décision que je regrette absolument pas. Alors j'ai rejoint le consultant pour avoir des idées plus précises et plus claires. Et du coup, pour pouvoir aussi monétiser mes compétences. J'ai décidé de rejoindre le consultant parce que c'était pour moi un engagement avec moi-même, une décision de transformer ma vie. Et pour ça, j'ai vraiment choisi des personnes qui ont des valeurs que je partage. J'ai rejoint le consultant parce qu'en fait, j'avais vraiment besoin d'une trame, entre guillemets, des étapes à suivre pour vraiment éviter de perdre du temps. J'ai rejoint la formation Le Consultant car j'étais à un moment de ma vie sur lequel je me cherchais pas mal et je me cherchais beaucoup. Et ce que je voulais, c'était tout simplement, je voulais acquérir davantage de compétences pour monétiser ce que j'avais dans ma tête et faire en sorte de partager ce savoir auprès des professionnels et leur permettre également d'acquérir davantage de résultats sur les compétences que je maîtrise. Avant de rejoindre le consultant, j'étais étudiant. J'étais seul, j'avais pas de réseau et je savais pas trop quoi faire. Ma situation avant le programme, en fait, j'étais juste vidéaste et je proposais des vidéos aux entreprises. Mais je voyais qu'il y avait vraiment des lacunes pour promouvoir cette vidéo par le biais des entreprises. Alors avant de passer au consultant, moi j'étais étudiant fauché. Enfin, je venais de finir le bac et on va dire que j'étais un peu perdu. Avant le programme, en fait, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas du tout comment faire, comment m'organiser. J'étais commercial dans le domaine des assurances, qui était quelque chose qui ne me convenait pas. Alors ma situation avant de rejoindre le consultant, salarié, j'ai toujours été entre guillemets conditionné par le système à métro, boulot, dodo. Avant le programme, justement, j'avais conscience que j'avais des compétences et une expertise à apporter à ces professionnels, mais je ne savais pas comment monétiser justement ces compétences et cette expertise. Avant de rejoindre le consultant, j'étais tout simplement étudiant en école de commerce et à l'heure actuelle, en fait, j'ai quitté cette école et je me consacre à fond à ce que je fais à l'heure actuelle. Et donc, générer 1700 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. J'étais victime du syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que j'allais d'un business à un autre. Donc avant de rejoindre le programme Le Consultant, franchement, j'avais déjà pas mal de clients. Mais avec Alec, j'ai vraiment su comprendre certaines failles dans mon business et vraiment acquérir beaucoup plus de clients. Et j'ai surtout vraiment compris de A à Z tout mon business et m'a vraiment élevé à me propulser vers de nouveaux horizons. Avant le programme, en fait, j'ai passé 2 ans dans le e-commerce où j'ai généré à peu près 300 000 euros de chiffres avec mon frère. Je me souviens qu'avant de commencer donc, le programme Le Consultant, ma situation, du coup, j'étais en pleine recherche et restructuration de manière physique et personnelle. J'étais en dropshipping et j'étais pas du tout en phase avec le dropshipping, le business model du dropshipping. Et du coup, j'ai voulu continuer à donner de la valeur à mes clients. Je n'avais pas toutes les expertises nécessaires et le réseau qui me permettrait justement de développer mon activité à son plein potentiel. En fait, j'avais pas de réelle stratégie derrière tout ce que je voulais lancer, donc du coup, ça marchait pas. Ma situation avant, c'est que j'avais pas forcément de chiffres. Avant le programme, j'avais pas forcément de réseau, j'étais plutôt un loup solitaire, j'étais dans ma chambre tout seul, j'étais déjà entrepreneur, mais j'avais pas du tout de résultats. Ma situation avant programme, c'est que je n'arrivais pas à me positionner sur quel business model me correspondait au mieux. Donc, ma situation actuelle, c'est que maintenant je me suis spécialisée dans un domaine, donc qui est Instagram. Ma progression actuelle, grâce au consultant, c'est que j'ai pu passer de vidéaste à agence de stratégie marketing auprès des agences immobilières. Ma situation actuelle, c'est que j'ai pu me développer un réseau à travers les événements comme celui-ci. Et au niveau des résultats concrets financiers, ça va pas tarder, mais je suis très confiant et je vais pas lâcher.
ça a changé que du coup, j'ai des réelles stratégies pour mettre le bon produit en face du bon client. Donc, la différence que le consultant fait pour moi, eh bien, c'est toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au travers de la formation et aussi eh bien, tout le réseau qu'il y a à l'intérieur de la formation avec toutes les personnes qui ont des compétences différentes. Ma situation actuelle, en fait, je me suis associé avec trois amis. Et maintenant, avec le consultant, ça m'a permis d'avoir une méthode claire et de voir de la clarté dans mes projets, tout simplement entrepreneurial. Donc ma situation actuelle aujourd'hui, donc maintenant ça fait près de 6 mois que j'ai démarré le programme Le Consultant. J'ai pu réaliser de 0 à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors aujourd'hui, grâce au consultant, les résultats que j'ai pu obtenir, c'est déjà un mindset d'acier. Ça a changé déjà mon mindset et la façon de voir les choses vis-à-vis du business. J'ai réussi à trouver pas mal de prospects, j'ai pas mal de rendez-vous. Alors le programme m'a permis de pouvoir justement définir correctement l'offre que je suis en mesure de pouvoir apporter à ces professionnels et surtout savoir comment bien la vendre au bon prix. Surtout, vraiment ce qui m'a aidé, c'est le fait d'être en connexion avec tout ce réseau qui est vraiment un formidable réseau et voilà, des personnes super motivées, ça va être vraiment avancé très vite. Le gros boost, c'est vraiment l'atmosphère qui se dégage, notamment dans la réunion de toutes ces personnes qui ont des valeurs communes. La puissance des gens qui y sont et des valeurs qu'on reçoit, du coup, on se pose des questions, on apprend des autres, etc. Donc c'est vraiment puissant, c'est vraiment fort. Je tombais un petit peu sur l'infoprenariat en France, etc. Et j'ai vu pas mal d'acteurs. Et je tombais sur Alec et pour moi, c'est la personne qui représente le mieux ce que je voudrais faire en infoprenariat. Quand on prend un coach, il y a plusieurs questions à se poser. C'est déjà premièrement les résultats qu'il a apportés à ses anciens clients. Nous, c'est ce qu'on a regardé dès le début. En plus de ça, on avait vraiment une affinité avec Alex, c'est-à-dire qu'on le suivait sur YouTube depuis longtemps. C'était la personne qui nous donnait le plus confiance, tout simplement. Et puis, on a foncé. Et puis, voilà. Je pense que la plupart ne sont pas très sérieux et qu'ils n'apportent pas des informations très concrètes, mais qu'Alex est le plus sérieux de tous les entrepreneurs francophones et les infopreneurs francophones. Enfin, Alex, c'est quelqu'un qui est vraiment très très sérieux, donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Et surtout pour sa formation sur le consulting, c'est quelqu'un qui est crédible dans ce qu'il fait parce qu'il a fait du consulting et il fait encore aujourd'hui du consulting. Il gagne très bien sa vie avec ça, il a aussi d'autres activités. Et du coup, je pense que voilà, si on veut se former aujourd'hui, il faut se former avec des gens. Pas, vous savez, il y a le syndrome de l'expert. L'expert, c'est quoi? L'expert, c'est celui qui va passer 5-10 ans d'études à apprendre quelque chose, il va être expert dans le domaine de choses qu'on lui a dit mais qu'il n'a pas forcément testé. Alec, franchement, je le remercie du fond du cœur puisque en plus de me permettre de servir des clients, de servir mieux mes clients, d'avoir trouvé mes clients, etc. Ça, c'était en fait l'étape numéro 1, mais il y a une étape d'après, c'est de faciliter la vie de mes clients parce qu'il m'a permis de trouver les problèmes qu'il fallait et de les résoudre. Mais c'est aussi le fait de m'être lancé. Enfin, j'avais un salaire suisse à Genève, donc c'est confortable. J'avais tout ce qu'il faut et malgré ça, il m'a donné faim, il m'a fait comprendre que j'avais un potentiel bien plus élevé et que ce potentiel, je suis passé à l'action. Aujourd'hui, j'ai mon propre bureau, je me lance et je touche bien plus qu'un salaire mensuel suisse classique. Donc ça, c'est grâce à Alec. Il va mettre pas que moi à l'abri, il va aussi mettre ma famille, il va mettre ma femme. Quand je veux toujours me diversifier dans différents projets, eh bien, je veux toujours être accompagné par les meilleurs. Alex, ça faisait déjà un petit temps que je le suivais, on s'était déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux et je voyais que c'était quelqu'un qui était premièrement très professionnel, qui était vraiment le client au centre du business et qui apportait une réelle valeur. Et c'est au-delà en fait de juste… parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très très bons dans un domaine mais qui ne savent pas l'expliquer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Alec parler sur scène en conférence, mais il est vraiment bon pour ça, quoi. Tout le monde lui dit, mais vraiment, tu devrais en faire plus parce qu'il a un talent là-dedans. Et en fait, il sait transmettre l'information. Il sait motiver. Il sait prendre une personne par la main, la motiver et lui faire vivre un processus qui va la transformer d'une personne qui n'a pas de compétences à une personne qui a des compétences. Et ça je pense qu'il y a le plus… Enfin, un des aspects qui a le plus de valeur dans une formation, c'est quelqu'un qui est pédagogue, qui saura transmettre. Parce qu'on a beau avoir la carte au trésor pour faire des millions, si on ne sait pas bien l'expliquer, si on ne connaît pas bien la route, ça va être un petit peu difficile. Et je pense vraiment que c'est cette capacité que Alec a, ça va être… Évidemment, il va falloir passer à l'action, mais en prenant sa formation, elle va commencer d'un point A, elle va aller jusqu'au point Z et vous allez voir que vous allez passer par plein d'étapes avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui est vraiment extrêmement convaincant. Donc c'est clairement une formation que je recommande vraiment vivement. J'ai pu avoir la chance de rencontrer Alec, notamment le consultant.fr,
Je connaissais d'un ami commun, je savais ce qu'il faisait, et là, très sincèrement, ça m'a vraiment ouvert l'esprit déjà d'abord, parce que moi je suis quelqu'un quand même d'assez têtu, j'ai toujours fait tout seul, donc j'ai du mal à déléguer. Et déjà Alec, il sait parler aux gens, il est jeune, il a 10 ans de moins que moi, mais c'est quelqu'un que j'écoute parce qu'il a une façon, il a beaucoup d'empathie, et ça déjà c'est une bonne qualité pour un conseiller, pour un consultant. Et il sait vous se mettre à votre place, il a su me rediriger un petit peu. Donc moi Alec Henry, c'est quelqu'un, donc c'est tout d'abord un ami, ça faut le savoir, c'est un ami avec lequel donc on a collaboré aussi sur différents projets, on est partenaire d'affaires sur différents projets. Et moi, je le vois puisque on a chacun forcément des tâches différentes dans nos business. Lui, il s'occupe plutôt de tout ce qui est vente, marketing, négociation. Et honnêtement, hein, j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant de connaissances dans ces domaines-là. C'est vraiment une personne qui a accumulé beaucoup, 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 beaucoup de compétences et qui aujourd'hui, si vous voulez quelqu'un qui vous forme dans ce domaine-là, dans tout ce qui est vente, marketing, consulting, c'est vraiment quelqu'un qui peut, c'est vraiment la meilleure personne qui peut vous aider à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai bien évidemment fait l'acquisition de la formation d'Alec Henry, et ce qui m'a vraiment plu, c'est la possibilité vraiment pragmatique en 4 semaines de pouvoir commencer à générer du chiffre d'affaires. Parce que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, souvent on a plein d'idées, on pense à énormément de choses et on ne passe pas à l'action. Et au final, au bout de 6 mois, 1 an, on se retrouve avec plein de bonnes idées et on a toujours généré 0 euro de chiffre d'affaires. Et du coup, ce qui est là intéressant, c'est d'arriver à avoir quelqu'un, à avoir vraiment un processus étape par étape qui va vraiment vous cadrer et qui va faire qu'au bout de ces 4 semaines, effectivement, vous allez concrètement pouvoir générer vos premiers milliers d'euros grâce à la monétisation de vos compétences. J'ai plusieurs business qui tournent sur lesquels je mets beaucoup de budget. Ça va de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Vous vous doutez bien que si vous faites ça par hasard et que vous confiez ça à quelqu'un qui n'est pas compétent, vous allez droit dans le mur. Et vous l'aurez compris, c'est là où intervient Alec. Alec m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup aidé, et c'est pour ça que je travaille avec lui et que je peux vraiment publiquement témoigner toute la gratitude et la reconnaissance que j'ai envers tout ce qu'il m'a mis en place. Maintenant, ça tourne super bien, et donc c'est pour ça que je pourrais que vous recommander de vous former avec lui, parce que Alec, quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a une réelle expertise, qui se remet tout le temps en question, qui se forme en permanence, et aussi et surtout, le point le plus important, c'est que c'est quelqu'un qui a des résultats factuels et irréfutables. Et à mon sens, quand on choisit une formation et surtout un formateur, c'est l'élément à prendre en compte. C'était la personne qui m'inspirait le plus grâce à ses vidéos sur YouTube. J'ai pu obtenir le closing de plusieurs clients et aussi une meilleure structure de mon business pour pouvoir automatiser l'apport de nouveaux clients. Et aujourd'hui, ça m'a permis de pouvoir vendre mes premières prestations à mes premiers clients. Et il m'a tout repris de zéro, et chapeau, parce qu'en 4 mois, j'ai déjà fait 3 fois plus de chiffre d'affaires que les 4 dernières années. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant que je suis rentré dans le consultant, donc ce mois-ci, j'ai signé un contrat à 20 000. Et j'ai fait à peu près 7000 euros de chiffre d'affaires. Là, on est un petit peu plus à la moitié du mois, et j'ai quasiment 4000 euros de bénéfices. Je suis dans le business depuis un peu moins de 2 ans et génère plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année et un petit peu plus de 100 000 euros par mois maintenant. On est à plus de 300 000 euros de bénéfices nets. Ouais. On a généré 12 000 euros de chiffre pour l'instant, et on compte vraiment accélérer dans les mois qui viennent. Donc pour un petit peu vous parler de ce que Alec m'a réellement apporté en termes de bénéfices financiers, ce qu'il faut savoir, c'est que moi avec Alec, j'ai commencé avec un accompagnement de 6 semaines, donc ça m'avait coûté 12 000 euros. Alors ça peut paraître énorme, mais je savais que derrière j'allais avoir des retours sur investissement qui étaient énormes, donc j'ai investi 12 000 euros sur Alec. Derrière, j'ai fait près de 180 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était juste énorme le retour sur investissement. Après ici, j'ai prolongé avec Alec pendant, si je dis pas de bêtises, 12 semaines. Donc là, ça coûtait donc 24 000 euros. On n'est pas encore au bout des 12 semaines. Mais grosso modo, grâce à Alec, j'ai généré un petit peu plus de 300 000 euros. Je pourrais pas donner le chiffre exact, mais quand je vois les chiffres que j'ai pu faire avec le consulting, le coaching, également avec la vente de formation, etc., on a un petit peu plus de 300 000 euros. Alors là, c'est dingue, parce qu'en fait, c'est à partir du moment où vous ne cherchez plus à faire de l'argent que l'argent va rentrer, je vais pas dire facilement, mais qui va rentrer très rapidement. Alors,
Premièrement, on a stagné au départ. Pourquoi ? Parce qu'on était vraiment, en fait, on n'avait pas de stratégie. On était en mode vente tout le temps. Sur Instagram, on vendait, on avait zéro résultat. Après, on a commencé à avoir des résultats. On a fait donc 30 000 euros avec 1 800 abonnés. Ensuite, du coup, on a pris le coaching. Et puis là, du coup, tout a décollé. On a fait nos premiers 100 000 euros en un mois. Ensuite, on a eu des phases un peu plus difficiles, pendant 2 semaines environ. Et ensuite, on est parti. Et là, à l'heure actuelle, du coup, on a 250 000 euros de chiffre d'affaires généré en 3 mois et demi. Quand j'ai ouvert mon fitness, bien sûr, j'avais franchement pas beaucoup de budget, c'est pas pour vous dire, je distribuais mes flyers à la main, donc c'était vraiment la cata en termes de budget pour commencer, mais il faut quand même une bonne visibilité, c'est important si vous êtes une entreprise, pas de visibilité, pas de clients, ça je pense que vous l'avez tous compris. Donc j'avais cette image dans la tête qu'il fallait en fait que je passe par Facebook et Instagram, et puis grâce à Alec, on a pu mettre une stratégie en place en fait de faire des jeux concours sur Facebook, de générer du trafic sur Facebook et Instagram, d'avoir une bonne visibilité, d'automatiser un petit peu tout ça en fait. Et puis grâce à ça, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait 213 clients en préinscription et quasiment plus de 100 clients les 2 mois qui ont suivi. Grâce à Alec, littéralement, je suis passé de 0 à 1. Enfin, ma vie a changé. Pourquoi ? Parce que là, cette vidéo, je la fais dans mon propre bureau, c'est-à-dire je me suis lancé, j'ai eu le courage et la chance d'avoir des informations vraiment… Enfin, Alec, il a tout transformé. Il m'a donné le mindset qu'il faut, il m'a donné les techniques, les bonnes techniques pour aller chercher les bons clients qui payent. Dès que j'ai rejoint le consultant, ça m'a ouvert sur un large réseau. Si tu souhaites monter un business et vivre de ce business-là, c'est pour moi la meilleure formation. Je lui dirais que en fait, c'est pas une simple formation, c'est vraiment une transformation. Et si une personne veut changer de vie et atteindre ses objectifs, qu'elle le fasse tout de suite. Moi, cette formation m'a permis beaucoup de choses. Premièrement, j'avais atteint un palier dans mon business, donc j'étais un petit peu coincé dans ma prospection commerciale. Et en suivant la formation d'Alec, j'ai trouvé des clés et des ajustements que j'ai pu faire dans mon business. Donc ça, c'est la première chose. La formation d'Alec est très, très concrète, très concise. Elle vous permet de passer réellement à l'action sur des plans d'action terriblement fonctionnel. Elle m'a permis à moi de repartir en croissance dans ma société, d'avoir un nouveau plan d'action d'acquisition client et du coup de pouvoir dynamiser à nouveau tout ce qui est rentrée d'argent dans la société, différencier un peu nos offres marketing. Vous attendez quoi ? Mais en gros, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas réfléchir, qu'ici vous allez trouver des centaines de personnes dans la formation avec lesquelles vous allez échanger peut-être tous les jours. Vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire des associés. Ça a vraiment changé toute votre vie. Plus le contenu qu'il y a dans la formation, qui est encore mieux. C'est vraiment une formation en or. On voit très bien qu'Alec délivre des cours avec passion et il n'hésite pas à se donner à fond pour nous. C'est vraiment très encourageant. Et l'équipe est tout le temps là pour nous, avec les messages, les vidéos, c'est comme une famille. Si vous voulez monétiser vos compétences, je pense que le consulting est le meilleur moyen aujourd'hui d'y arriver le plus rapidement possible. Je m'appelle Antoine, j'ai eu mon premier client de marketing digital, donc j'ai monté une agence de marketing digital, j'ai eu mon premier client en un mois à 1500 euros par mois, et aujourd'hui ça fait 2 semaines que j'ai annoncé ma démission puisque j'ai monté ça en même temps que mon activité de salarié. Si quelqu'un me demande les raisons de rejoindre le consultant, je lui dirais qu'il y a absolument tous les ingrédients pour réussir son activité et son business model. S'il veut tester la meilleure formation de France, c'est le consultant. Une personne qui n'a pas rejoint le programme Le Consultant et qui est toute seule et qui n'a pas forcément de réseau, je lui dirais de rejoindre ce programme, honnêtement. Moi aussi, je voyais beaucoup de témoignages et je me disais ils sont peut-être payés pour dire ça, etc. Mais c'est réellement concret et on a vraiment de bons résultats et c'est réellement une opportunité à saisir. Il faut voir ça comme un investissement plutôt qu'une dépense. Je recommande beaucoup la formation d'Alec, le consultant, parce que du coup, il apporte beaucoup de valeur, beaucoup plus qu'on peut penser du coup quand on souhaite, si on souhaite investir dans la formation. Et du coup, vous allez obtenir ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, et du coup ça va vous donner beaucoup plus d'expérience, de compétences pour réaliser vos objectifs. Alors moi ça a changé énormément de choses dans mon business, donc du coup n'attendez plus. Alors clairement je conseillerais à une personne de nous rejoindre dans le programme Le Consultant si tout comme moi elle a éventuellement des lacunes, que ce soit pour définir son offre, sa stratégie, vendre ses prestations. Parce que à travers le contenu et tout l'accompagnement qu'on a, le réseau qu'on peut se créer, ça peut que nous permettre de se lancer sérieusement dans notre activité.
c'est une décision que vous devez prendre pour les valeurs que vous partagez avec à la fois cette communauté, avec à la fois Alec, si vous vous identifiez. Ce qu'il même pourrait faire pour vous, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix alors. Mais franchement, n'hésitez pas. Le consultant, c'est là qu'il faut aller. Si vous n'êtes pas encore dedans, c'est pas normal. Venez, entourez-vous des bonnes personnes. La personne n'a pas encore rejoint, il faut absolument qu'elle le fasse. Ça va changer sa vie, ça va être complètement fou pour elle. C'est inexplicable, c'est juste dingue. Ce que je pourrais dire par rapport aux personnes qui n'ont pas encore rejoint la formation, je pense qu'ils ne devraient pas réfléchir, tout simplement pour passer à l'action. Je dirais que si elle a vraiment envie de réussir, je pense que c'est un bon levier parce que c'est très bien fait, très bien, très complet. C'est véritablement l'opportunité de devenir millionnaire. Alors si c'est ce que vous recherchez, il faut toquer à cette porte. Une personne qui n'a pas encore rejoint le consultant, je dirais que franchement, s'il veut se construire un réseau très solide et avoir justement des experts autour de lui, c'est vraiment la formation à rejoindre. Donc cette formation, je vous recommande à 100%, elle est très complète, on comprend tout étape par étape et on peut avancer. Pour votre business, c'est vraiment un accélérateur. C'est important de ne pas perdre une année ou deux ans avec le bouche à oreille. Alors oui, le bouche à oreille, c'est très efficace, mais ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et grâce au consultant, ça m'a appris à trouver vraiment ce qu'il fallait pour le client, la satisfaction, délivrer toujours plus, aller toujours plus loin. Et je suis prêt à vraiment tout faire pour réussir et pour le faire. Si votre voie aujourd'hui est de conseiller ou de monétiser vos compétences, je vous invite vivement à rejoindre le consultant car vous allez pouvoir apprendre de nombreuses choses et surtout l'avantage de la véritable plus-value, c'est pas forcément dans la qualité et la quantité des choses que vous allez pouvoir apprendre, mais c'est dans les personnes que vous allez pouvoir, avec lesquelles vous allez pouvoir vous entourer et l'écosystème que vous allez pouvoir créer autour de tout ça. Je ne peux que vous recommander forcément de suivre ses bons conseils, d'appliquer son expertise et également écouter son retour d'expérience, quelque chose de très important. N'hésitez pas à suivre ce qu'il fait, à rejoindre sa formation. Le retour sur investissement, il est inestimable. Imaginez seulement que grâce à lui, mes 3 prochaines années, mes 5 prochaines années, mes 10 prochaines années, ce sera tout grâce à Alec Henry. Donc si tu hésites à rejoindre le consultant, je t'invite sincèrement à le faire. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, par rapport à la communauté et tous les membres qu'il y a et qui vont pouvoir t'apporter une certaine énergie pour développer ton business et aussi toutes les connaissances et tout le support qu'Alec met à notre disposition pour pouvoir construire notre propre business et aussi le pérenniser. Parce que selon moi, je pense vraiment et honnêtement que c'est la formation la plus complète en francophonie, que ce soit pour la vente, la création de l'offre ou pour la création d'un business tout simplement. J'ai rarement vu un réseau aussi actif et aussi présent, aussi uni et aussi aligné. Et j'ai acheté bon nombre de formations, mais j'ai jamais vu ça, quoi, sincèrement. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le consultant, sincèrement, c'est une formation en or. Alec va vraiment tout vous donner, elle va vraiment faire quelque chose de personnalisé pour vous. Vous allez vraiment être suivi et vous allez vraiment pouvoir faire exploser votre business. C'est actuellement la meilleure formation que j'ai pu voir sincèrement sur le marché francophone. Il me l'a dit sur WhatsApp, mais franchement, je n'en doutais pas et je n'en doute toujours pas. C'est vraiment une formation en or et je vous conseille vraiment de le rejoindre dès aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous recommande vraiment Alec. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très carré, qui est très pointu dans ce qu'il fait. Et moi, j'adore ça. Ça vous permet d'avoir un chef au-dessus de vous, comme un mentor. Moi, j'ai besoin également d'avoir ça pour avancer. Il va vous donner des bonnes directives, un plan d'action bien particulier. Et c'est vraiment ça qui va faire exploser votre business. Et je suis totalement sincère en vous disant ça. Si je devais conseiller une personne qui ne nous a pas encore rejoint, c'est que si elle est vraiment motivée à passer à l'action, à passer son temps pour développer ça, ça vaut vraiment le coup de rejoindre le consultant. Je vous conseille vraiment de vous entourer des meilleures personnes, des personnes qui atteignent les résultats que vous voulez atteindre. Donc si vous voulez atteindre les résultats que vous voyez autour de vous, allez-y. Je dirais tout simplement, tu fais quoi mon ami? Qu'est-ce que tu fais encore? Parce qu'en fait, tu as deux choix. Voilà. Soit du coup, tu regardes les personnes qui ne prennent absolument pas soin de leurs clients, et il y en a plein, il y en a plein à l'appel, je pense que tu peux en trouver de partout sur Internet. Ou soit tu regardes justement les personnes qui n'ont même pas besoin de se vendre en fait, et qui laissent leurs clients vendre pour eux, tout simplement parce qu'ils ont des résultats énormes. Et c'est ce qui se passe chez le consultant, c'est ce qui se passe avec Alec. Donc regarde bien les résultats des autres, pas forcément ce qu'un formateur va te dire, mais plutôt les résultats qu'il apporte à ses clients. Tout le monde a envie d'avoir plus de clients, tout le monde veut faire plus d'argent. Ceux qui ne veulent pas en faire, ils n'ont pas besoin de venir nous voir. Ceux qui veulent en faire plus, nous on intervient pour tous les types de business à générer des leads et à générer donc plus de clients via des stratégies marketing en digital.